Alain, je suis le responsable de la réserve naturelle de l'étang de la Mazière, qui est la seule réserve naturelle du pays Val-de-Garonne. Donc, la réserve a été créée en 1985 pour sauvegarder la dernière gaule de Garonne. Une gaule, c'est quoi? C'est la partie supérieure d'un méandre, le méandre ayant été court-circuité par le fleuve. Alors, cette réserve présente un intérêt paysager, mais elle présente aussi un intérêt patrimonial et en particulier au niveau de la faune et de la flore. Au niveau de la flore, il y a des espèces que l'on ne trouve plus ailleurs, comme par exemple la renoncule à feuilles d'ophioglosse, ou alors, pour la faune, des espèces d'oiseaux, comme le blongios-nain, le bihoreau gris, qui sont particulièrement rares. Un chevalier guignette, il y a peut-être le couple, on le cherche depuis pas mal d'années, et il est fort probable que on est peut-être un nid dans le coin. Pour les candidats à la découverte de ce milieu naturel qui est assez exceptionnel, ben, il faudra prendre rendez-vous de manière à ce que le pôle animation de la réserve naturelle puisse organiser une sortie de découverte de la flore et de la faune. Canard colvert. Martin pêcheur perché sur un piquet. Ah, chevalier gambette. Pour tous les amoureux de nature, de balades intéressantes, ben je les invite à venir découvrir ce site qui recèle un patrimoine vivant qu'ils ne pourront pas trouver ailleurs en Lot-et-Garonne.